Nièce de Berthe Morisot et sœur de Jeannie, l'épouse de Paul Valéry, Paul Gobillard fut formé par sa tante et par Auguste Renoir. Partageant le quotidien de sa sœur dans l'immeuble familial du 40 rue de Villejuste à Paris, Paul Gobillard mène depuis le début du siècle une carrière de peintre, exposant au Salon d'automne et à celui des indépendants. Elle représente vers 1940 Paul Valéry et sa famille, réunis dans la salle à manger de leur appartement parisien. Le poète est assis face à son épouse Jeannie, sa fille Agathe face à son mari Paul Rouard, tandis que la fille de ces derniers, Martine, est debout à côté de François, le plus jeune des fils de Valéry. Paul Gobillard s'intéresse particulièrement aux effets de la lumière naturelle. Elle aime varier la densité de la matière picturale, fluide dans les zones claires, plus dense et peu diluée dans les parties les plus sombres. Sa touche large modèle les sujets en juxtaposant les valeurs opposées et les teintes. À la précision du dessin, Paul Gobillard préfère la force exercée par la couleur sur les sens, donnant ainsi aux êtres et aux choses la force d'une présence vibrante.